Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter mes meilleurs sites streetwear sneakers. Je vais essayer de vous parler de sites que j'aime bien ou j'ai déjà commandé, etc. Vous dire un peu ce qu'ils font, comme ça ce sera peut-être plus simple pour vous de choper certaines paires ou pièces. Du coup c'est des sites pas trop connus généralement par le grand public, mais qui devraient, parce qu'elles sont, enfin c'est vraiment des très bons sites. Et voilà, c'est plutôt connu par les amateurs de sneakers et tout, et ça serait bien que tout le monde les connaisse vraiment. Je vais commencer par vous présenter des sites français et ensuite vous présenterai des sites internationaux. Je vais vous en montrer quelques-uns sur l'ordinateur et il y en a d'autres que je vais juste vous énoncer parce que sinon c'est trop long. Si ça vous intéresse, c'est parti. Donc le premier site que je vais vous présenter c'est Phenom, donc vous connaissez peut-être sous SNKRS, donc c'est l'ancien nom. Ce que j'aime beaucoup sur ce site c'est que les envois sont super rapides, nous on avait déjà commandé des paires et elles sont arrivées le lendemain je crois, c'est vraiment top. Ils font un peu de tout, des chaussures, des habits streetwear et tout, il y a même un onglet skate et ils font des bonnes soldes aussi. Du coup là je me suis rendue dans l'onglet soldes, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de grosses promos, même sur des paires qui viennent de sortir. Voilà, genre une paire qui passe de 180€ à 90€, c'est plutôt bien. Et il y a un peu de tout, il y a des marques, genre, hélas, moi je connais pas, mais je pense que vous pouvez trouver plein de trucs sympas. Du coup, là, vous avez toutes les marques qu'il y a sur le site. Donc, il y a par exemple Chinatown Market, enfin, il y a des marques qu'on trouve pas partout, partout. Vous voyez, genre, limite tout est en solde. Genre là, je suis pas dans les soldes et... Bah en fait il y a presque tout qui est soldé, donc c'est vraiment cool. C'est un peu dommage, c'est bientôt la fin des soldes, mais vous inquiétez pas que il y a souvent des promos quand même et tout. Vous trouverez forcément votre bonheur, il y a vraiment plein de trucs, donc je vous laisse aller voir. Je vous mets le lien en barre d'infos comme pour tous les sites. Et voilà, vous me direz si vous aimez bien, quel site vous préférez et tout, quel site vous ai fait découvrir. Ensuite le deuxième site c'est Impact. Alors là je pense que vous connaissez un peu moins parce que au début c'était une boutique sur Mulhouse, donc près de là où j'habite. Et ensuite ils ont fait un site internet et maintenant il y a une deuxième boutique à Strasbourg. Sait jamais, donc c'est vraiment trop cool. Après il n'y a pas forcément autant de choses en boutique que sur internet, ce qui est logique, mais voilà. Donc je vais vous montrer, moi j'aime trop le design, il est super simple, super sobre, donc là elle est nouveauté. D'ailleurs j'aimerais beaucoup m'acheter cette petite paire, elle est trop belle, vous me direz si vous aimez bien. Le seul problème je trouve aussi c'est qu'on peut pas voir si elles sont disponibles en boutique, c'est dommage parce que ben si vous habitez pas du tout près de là où je vous ai dit qu'il y a les boutiques, ça sert à rien. Et moi par exemple je sors de chez moi en 10 minutes j'y suis, donc ce serait cool parce que moi j'aime beaucoup acheter en magasin, je trouve que c'est plus simple, tu vas plus vite et tout, donc voilà, enfin logique. Mais voilà, c'est le seul petit problème je trouve du site. Pareil, il y a énormément de soldes, donc voilà. Après il y a de tout, il y a des choses que forcément tout le monde n'aime pas, et là je crois que la plupart ils sont sold out. Là il y a vraiment des trucs stylés, pareil il y a du polar, moi j'adore la marque. Il y a pas mal de paires qui sortent là-bas comme les Yeezy, je sais qu'à chaque fois qu'elles sortent ils les ont en boutique. Moi je trouve ça trop cool parce qu'ils se sont installés dans des villes où il n'y a pas vraiment d'autres magasins qui sortent des paires exclusives, donc c'est vraiment cool, ça marche super bien, il y a tout le temps du monde, les gens là-bas ils sont trop sympas. Et voilà, si vous passez par Strasbourg, Mulhouse ou quoi, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour parce que ça vaut vraiment le détour. Et ce qui est cool c'est qu'ils ont aussi leur propre marque, ça c'est vraiment trop trop bien parce que tous les sites n'ont pas leur propre marque, et franchement leur marque elle est hyper qualitative. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais dans une précédente vidéo j'avais porté un sweat un peu violet comme ça de leur marque. Je sais pas si j'ai déjà porté un de leurs t-shirts aussi, mais on en a, donc ils sont vraiment très qualitatifs. C'est 40€ un t-shirt, une centaine d'euros pour le hoodie, mais franchement je trouve que ça vaut grave le coup. La matière franchement elle est hyper épaisse et là vraiment je kiffe. Là vous avez des nouveaux coloris en mode camo, ils le font vraiment à leur manière et il y a plein de couleurs, kaki, blanc, rouge. Là ils en ont sorti des nouvelles, j'avais pas vu. Après il y a d'autres choses, moi je trouve ça vraiment trop stylé, c'est un petit truc qui s'est développé de ouf et même je trouve que ça marche super bien. Donc ensuite on a Shinzo. Donc Shinzo c'est un site mais également des boutiques, je crois uniquement sur Paris. Il y en a plusieurs, je sais pas du tout la rue, mais comme je vais à Paris je sais que j'y vais toujours. Sur Shinzo ils ont énormément de produits exclusifs. Quand une nouvelle paire sort, la plupart du temps franchement ils l'ont, peu importe si c'est Jordan ou n'importe. Et voilà j'adore. Là par exemple ils ont comme collection exclusive Nike X Pigalle. Il y a plein de produits qu'ils ont et que ben par exemple les sites que je vais présenter avant n'ont pas. Ce qui est cool c'est que vous pouvez collecter vos achats en magasin, vous pouvez le retirer du coup le lendemain, donc c'est hyper rapide, enfin moi je trouve ça grave stylé si vous êtes de Paris. Donc là vous avez un petit onglet à venir, ce qu'il n'y avait pas sur les autres sites il me semble, donc vous pouvez voir en fait les paires qui vont sortir prochainement, le prix, la date de quand ça va sortir, donc ça c'est vraiment cool. Donc là il n'y a rien qui m'intéresse, mais du coup vous pouvez vous tenir au courant de ce que eux ils vont sortir. Moi je trouve que c'est hyper bien fait, il y a vraiment plein de catégories, donc c'est vraiment pour beaucoup de monde, donc je vous laisse aller voir ça. C'est tout pour les sites français, maintenant on passe aux sites internationaux. Donc les sites français, ce qui est bien en réalité c'est que ça vient assez vite. Voilà, alors Phenom je crois qu'ils ont pas de boutique, mais les envois sont rapides. Impact et Shinzo, il y a des boutiques et je pense que les envois sont plutôt rapides également. J'ai jamais commandé sur internet pour ma part, mais comme c'est des sites français c'est forcément à côté, donc c'est cool.
cool. En premier, pour les sites internationaux, je vais vous parler de SNS, donc Sneakers and Stuff. Bah, c'est un site international, mais il y a quand même une boutique sur Paris. Il y a beaucoup de choix et il y a des bonnes promotions. Donc même quand il n'y a pas de soldes, ils font des petites promos sur certains produits hyper sympas. Et ce qui est cool du coup, c'est qu'ils ont une application, comme je vous l'ai dit. Et c'est là-bas que toutes les raffles se passent. Je crois que généralement, il y a à peu près vraiment toutes les paires. Et c'est beaucoup plus simple que de s'inscrire sur un site internet, je trouve. C'est mieux fait l'application. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a la catégorie upcoming, donc à venir, comme pour Shenzo en fait. Sauf que là, on va avoir des sneakers et des habits. Il y a des paires et des habits qui viennent de sortir. Et là, on a ce qui va sortir avec exactement le nombre de temps restant en fait jusqu'à la sortie. Donc par exemple, là, il y a un t-shirt de leur marque, puisqu'ils ont également une marque du coup, qui va sortir dans 5 heures. Enfin voilà, je trouve ça vraiment bien fait. Leur collection, pareil, elle est trop chou. C'est un autre délire que l'Impact, c'est un peu plus fantasy, je trouve. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ils font même des bonnets, ça se différencie beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a même des trucs en solde. Bon, là, il y a des trucs beaucoup plus extravagants, mais bref, je trouve ça sympa. Moi, j'adore les sites qui ont leur propre marque. Je trouve que c'est trop cool. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec Snipes. Donc Snipes, il y a aussi une boutique à Paris. Ce qui est cool sur ce site par rapport à Footlocker, etc., qu'on connaît, c'est un peu le même type de produit, mais il y a d'autres produits qui sont vraiment vraiment sympas, qui valent le coup et qu'il y a sur aucun autre site, comme la marque Karl Kani. Je sais pas si vous connaissez, si vous suivez Camino, vous connaissez forcément. C'est une marque un peu vintage tirée. Je sais que Maxima on adore, j'adore l'esprit, le style et tout, ça fait vraiment années je sais pas 80, c'est trop stylé. Moi j'adore leurs salopettes. J'ai toujours voulu m'en prendre une, mais c'est super cher. Les surpiqûres blanches, enfin tout le monde aime pas, mais moi j'adore ce style. Les pantalons ils sont aussi fous, enfin bref, c'est trop cool. En fait il y a plein de marques anciennes qu'il n'y a pas en fait sur les autres sites, donc ça c'est vraiment bien. Il y a encore plein d'autres marques qui sont peut-être aussi géniales. Enfin, préféré sur ce site, c'est Karl Kani si jamais. Et voilà pour Snipes. Ensuite, on enchaîne avec Caliroute. C'est un site où on achète pas mal de chaussures. Il y a vraiment hyper souvent des promos. Donc là, il y a les soldes. Il y a un code promo en plus des soldes. Et quand c'est pas les soldes, toujours quelque chose en fait. C'est un site trop bien, j'adore, ça vient en une semaine. Je sais que sur ce site on peut trouver les Human Race. Donc il y a énormément d'habits, énormément de marques. Et là ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas que des marques streetwear comme Polar, encore une fois Stussy, Carrara, Dickies, ça c'est nickel, c'est super cool. Mais ce qui est vraiment génial c'est qu'il y a des marques un peu plus luxe on va dire, comme Kenzo sur le site, et c'est vraiment génial. Donc il y a une petite catégorie premium. Et après il y a la catégorie Real Deal qui est sympa aussi. Donc là c'est les soldes, mais quand il n'y a pas les soldes il y a toujours cette catégorie. Enfin c'est des bonnes affaires quoi, donc c'est cool, ça c'est tout le temps, même quand on n'a pas les soldes. Donc c'est vraiment bien quand vous n'avez pas un trop gros budget. Ensuite on a Luisa Via Roma. Luisa Via Roma j'ai aussi déjà commandé, donc ça c'est en Italie me semble. Donc ce site c'est un site un peu plus luxe, hyper basique hein. Moi je sais plus ce que j'avais acheté. Ce site fait un peu de tout, mais surtout du luxe. Ce qui est super aussi avec ce site, c'est que quand vous achetez un produit vous recevez des points. Donc si vous achetez un produit d'une valeur de 150 euros, vous recevez 150 points, et au bout d'un certain nombre de points vous pouvez avoir un montant de réduction. Par exemple une fois j'avais acheté une paire de Air Force One et elles étaient à 140 et je l'ai eu à 100 euros. Parce que je sais pas, pour 500 points on avait je sais pas moins 40 euros de réduction, je sais plus exactement. Mais donc c'est trop cool. Là par exemple mon copain il a 775 points, donc s'il veut s'acheter une paire il pourra bénéficier de je sais pas moi peut-être 30 euros de réduction. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que les autres sites proposent pas ce système de points, c'est même pas genre des pourcentages, c'est vraiment 40 euros quoi. Et voilà. Et dans les marques du coup, ben comme c'est plus axé luxe, on a du Gucci, du Alexander McQueen, du Balenciaga, du Balmain, du Burberry, du Maison Margiela, du Moncler, du Off-White, du Prada, Saint Laurent, Stone Island, Versace. Enfin, on a tellement de trucs. Alors on a des marques bah, Adidas, Snack, voilà. Il n'y a pas du tout de marque Dickies, The North Face et tout. Mais vous avez du coup ce système de points en plus qui peut peut-être vous pousser à acheter sur ce site. Et la livraison est aussi en une semaine, je pense, à peu près. Je ne me rappelle plus, mais voilà. Vraiment sympa. Et pour finir, on a Sivas del Calzo. J'aime beaucoup ce site aussi. J'ai déjà commandé aussi, il me semble. Et ce qui est bien, c'est comme pour SNS, vous avez une appli qui s'appelle SVD. C'est une appli pour les raffles, donc ça c'est cool. Donc je crois que c'est un site espagnol, mais pareil, la livraison est très raisonnable. Hein. Et là, vous pouvez aussi voir les releases, les prochaines sorties. Et là, c'est plutôt sous forme de liste. Et voilà, vous avez énormément de marques aussi, comme des garçons. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choix. C'est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu des sites où il y avait des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire, des choses vraiment à souligner. Il y a d'autres sites que j'aime beaucoup pour acheter des paires et où j'ai déjà commandé. C'est juste que j'avais pas le temps de vous montrer vraiment en détail chaque site. Je vais juste vous les citer comme ça, mais ils sont très bien aussi. Hein. Donc, il y a Asphalt Gold, 43 Enlab. Donc ça, c'est des sites allemands que j'aime beaucoup également. J'ai déjà commandé pas mal de choses. Il y a BSTN, on a Foodshop. Et Foodshop, c'est sympa parce qu'il y a des codes promo. On a Food District, like. Des sites qui sont sympathiques. Voilà, je crois que j'ai déjà commandé également. Et le dernier que je vais vous citer, c'est Titolo. Titolo, j'aime beaucoup aussi parce que c'est en Suisse, c'est pas loin de chez moi. Et voilà, donc j'ai fait le tour. Il y en a sûrement d'autres qui sont sympas et qui existent et que je vais pas forcément citer ou que je connais pas forcément. Mais là, c'était mes sites à moi où j'ai déjà commandé, ou mon copain a déjà commandé et qu'on aime bien. En ce qui concerne les frais de port, j'en ai pas parlé parce que je ne sais pas exactement les frais de port de chaque site. C'est pas des frais de port
alentours de 2€ généralement. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est un petit peu embêtant les frais de port, mais bon, 5€ pour une paire à 100€, ça va encore. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Tenez à dire que c'est des sites 100% fiables. J'ai déjà commandé dessus sur tous les sites. J'ai eu aucun souci. Voilà, faut juste faire attention de ne pas mettre en boutique si vous voulez le faire livrer chez vous. Parce que si c'est en Italie, ben, c'est un peu compliqué. Il faut un peu confondre, hein, ça arrive. Moi j'ai déjà reçu des messages de filles qui ont fait ça. Et du coup, c'est un peu dommage. En tout cas, il n'y a pas de doute sur l'authenticité. C'est vraiment des vrais paires. Je ne vous dis pas des choses qui sont pas fiables et vérifiées et sûres, quoi. Donc ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai fait découvrir des sites, si vous avez bien aimé le concept un peu de la vidéo qui change de d'habitude, même l'endroit où je filme et la façon dont j'ai fait, donc à vous montrer l'écran en même temps de parler, etc. Et dites-moi aussi si vous préférez les vidéos axées vraiment que streetwear, sneakers, etc. Ou si je continue à un peu varier, à faire en même temps un peu de divertissement avec les vidéos avec mon chéri par exemple, les vlogs, etc. Ou si je reste vraiment axée sur les vidéos streetwear, sneakers où je vous présente des choses. Dites-moi en commentaire, comme ça je saurai un peu plus sur quoi me concentrer. Et voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube comme d'habitude, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je vous mets juste ici. Tous les liens donc sont en barre d'infos. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez soin de vous. Plein de bisous.